Cette histoire se déroule dans la grande capitale ivoirienne, Abidjan. Ici, nous sommes à Abobo, l'un des quartiers les plus populaires. C'est ici que Baba est né et a grandi, entouré de sa famille. C'est ici aussi qu'il a appris son métier de djembé fola. À présent qu'il vit en France, il y revient aussi souvent que possible. Mais cette année, s'il y a autant d'agitation dans la cour familiale, c'est parce que Baba réalise l'un de ses rêves. Revenu accompagné de techniciens, Baba a décidé d'enregistrer sa musique dans son milieu d'origine, c'est-à-dire la rue et l'atmosphère de son quartier. Réunissant de nombreux musiciens de toute l'Afrique de l'Ouest qui répètent depuis 3 mois déjà, Baba enregistre son premier album. Autour de son djembé vont se succéder griottes et griots, musiciens, chanteurs, amateurs ou professionnels, pour interpréter des chants traditionnels ou composés pour l'occasion. La première difficulté étant d'abord d'obtenir un semblant de silence. Hein? Ouais? Tu prends un bruit derrière et personne qui marche. Hein? Hein? You? Sientano? Sigaretti India? Allez, bon, okay. Hey, aïe toi. C'est clair, hein? Je m'étais dit qu'on allait faire ça. Allez, faisons fini qu'on a t'aimé. Hein, qu'on a cousu. Bon, allez, c'est bon, on y va? C'est bon, là-bas? One. Quel est? Fila. Un, deux, trois, quatre. Sinaveleni fole la usinaveleni kamora eh eh fole la usinavele kanye mola sinaveleni fole la usinaveleni kamora eh eh fole la usinavele kanye mola. Pendant que Sekouba enregistre sa chanson, écoutons ce que nous raconte sur Baba, celle qui l'ont vu grandir. Tout le monde n'a pas la chance d'avoir 3 mamans. Je suis allé à la maison. 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 Kana Simba tada ni Simba fo ne re berinje musudo ibe na ka Simba fo da mina ali sine ulu ba ko ka na e Simba fo da mina ulu bebe ta ki ti lo kara be ma sanyu ron bla la aburti se Simba dunuma ibe tabu ne ta si fe mo se si fe ta kara lo ta Simba fo na ka Simba fo Simba fo kan ka fakye ba fo akoro ke ma akoro ke mbana o neta dem fo lo le ba fo vie ta finger ko ta ba ba ko
baba le bijimbe fo kale ko beta wana tiri beta lu biti kiti lo jimbe ko simba ko karogbe lu be yele ba fo ko akoke pa ke yu manyi. Baba est lié à la musique depuis toujours. S'il dirige aujourd'hui les percussionnistes, ce n'est pas le fruit du hasard. Tout d'abord, il a travaillé sans relâche. Perfectionniste dans l'âme, il règle avec la plus grande précision possible, sans banc, dounes et cloches, les percussions rythmiques qui vont permettre à son djembé de s'exprimer au mieux. Comme souvent en musique traditionnelle, les morceaux ne sont pas écrits. Tout est question d'oralité et de mémoire. Chaque musicien admire un aîné, un guide. Celui de Baba se nomme Mamadi Keïta. Un nom qui résonne comme une référence dans le monde des percussions africaines. Après leur première rencontre, Mamadi a pris Baba sous son aile, et sûrement est-il fier à présent de le voir jouer ainsi. Mamariketa domina nya wele telephone na kumana kabi bare mamariketa ma be jime kwake baka ye television na dunola akoko e ko tene ko kadine re am pana ko ngo ko mi jime ko kadine ngo da to jime ko la be kadine ala na na ke utara nyo ko be france mamari fana na kana be bata ko ma de ame barka da mamari fana ni ya hakili na tigara ka be bato e asababu ba ala ya asababu ya mamari fana donc on a mis barre câble à ma mère quand même, on a mis tout au cas. Si chacun semble apaisé et serein aujourd'hui, la vocation de Baba n'a pas toujours suscité l'enthousiasme de sa famille. Ben, au début, avec ma famille, ça n'a pas été facile. Hein. Ça a été dur. J'ai fait une fugue de 9 mois. Je n'ai pas donné de nouvelles après et tout ça. Si, depuis tout petit, je joue, mais s'ils m'ont vraiment libéré, c'était en 94. Quoi. C'est en 94, ils m'ont vraiment dit, bon, lui, c'est bon, on le laisse. Alors que j'avais déjà fait des tournées, j'avais déjà fait des choses. Mais avec tout le temps des mots derrière, il faut que tu changes de boulot, il faut que tu fasses autre chose et tout ça. Mais maintenant, ça va, je crois que maintenant, ils sont fiers de moi et maintenant, ils le prennent bien. La preuve, c'est ici, je fais tous mes trucs avec mes stagiaires et tout ça. Toute ma famille est à ma disposition, à la disposition des gens, qui, des étrangers qui viennent. Ça se passe super bien. Nele baba famu sofitini ni ne donna lu konaya kasro abule soroni anabulo den ton be soro na le nyana baba
a fa le tere comité président di Abobogar la ya o gine ka bela kunti e do nyon tere kala an le fe ya di machi di masi un bana kana ya gba fo ya baba fana ndi boati ta a gi me fo ama lonoro ne wara fabla gi me fo la mi a gi me ne wara ye ne ninkele wara ye ani baba andra mamluko no din to ke lenga no mulu an wara ke lenga an wani fabla ka gi me de ninkele nta ka gi baba ma fe mi baba ma bila mola munate fo ni ke wara ka to nyama kulubal na baka na no fe kulubal na ninka na no fe ture ka nya fo ka me wuli an sababe wuli ka ngoro fanda ka ba wuli ka nya nya wuli ka ne re uru kyatu wuli kana na si ka kuma bunyaka ka damma ada aseri wara waloni ada aseri wara wa anta e bi nanu ga na na fonda mna dura bala lo ana mo ngere mam na fonda shi wati na abeto ha bale bara mna ala kana ante foko ana ala ala ante foko doni ba sanda ala lo ka adia fanye wodo ka la ko be dia fanye fake ma yesala lumina baba ka fake ma ngiru ka wodi babla kala na fama afako ko aka newule abara setu nya so ninga u ya foke feme ala ni sara ko sini a kwanya ndia sini ko baba wodi samama kalu ata inyo african afalandi aha ka beta tai ka nu yere besta wawula ka besta wanisi so madala ala na loke fage mana ala yere fadi asara kala kota kono kasa ka to sawala maintenant que nous connaissons un peu mieux le parcours de Baba nous pouvons continuer à suivre l'enregistrement. Malgré l'apparence détendue de certains et certaines, la tension est parfois palpable lorsque la journée s'éternise sur le même morceau. Outre le fait que la moindre erreur oblige à recommencer tout le morceau depuis le début, de nombreux éléments peuvent venir entraver le bon déroulement de la prise. Notamment les bruits dans la rue toute proche. C'est bon, on y va, monsieur Dubana, on y va. C'est fini, non? C'est non, c'est fini. Il a mis le blatté. Ah, ça va. Stéphane? Raphaël, c'est prêt? Adama? Ouais, on y va, hein? On peut aller? Ouais. Il est refrané. Il est là, il est refrané. Il est refrané. Il est refrané. Arrivé. Du silence. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Et à la magangue, à la magangue. Femme à la magangue, à la magangue. Mansa magangue, à la magangue. Dinga. Nanana, gueule, manaba. Dinga. Maman, il a ouvert la don tes salas. Dinga. Mon baba trouve les cafons. Dinga. Maman, il a son madon tes là. Dinga. Dinga. Abu maman, il est madi. Abu mali non barala. Dinga. Et à la magangue. Dinga. Mansa magangue, digole. Dinga. Fama à la bique, ou les batidi. Dinga. Tu vas sur la ouïti à la lalé. Dinga. Fama à la bique, d'un batidi. Dinga. Tu vas sur la denti à la lalé. Dinga. On aime la rana na bella. Dinga. Voilà, y'a un quoi qu'il est là, calumé à la lé. Dinga. On aime la rana na de. Et l'autre élément perturbateur, c'est bien entendu le minaret de la mosquée voisine, qui appelle plusieurs fois par jour et par nuit les musulmans à la prière. Ce qui n'entame en rien le moral des artistes, et aurait même plutôt tendance à les dissiper comme des enfants. C'est au moins l'occasion d'une pause pour les uns, et d'aller écouter le début du morceau dans le studio improvisé pour les autres. On va écouter. On va écouter le son.
L'occasion aussi pour Baba de nous parler de ceux qu'il a ramenés d'Europe. Comme je suis là-bas avec l'association Cortex, j'ai déjà fait un premier CD avec mon groupe à Toumoulan qui est à Rennes là-bas avec moi. Et c'est des gens que j'aime, franchement, j'aime ce qu'ils font et tout. Et moi, quand je fais mon boulot, je préfère que ça soit bien fait et tout ça. Et puis, puisqu'on a monté le projet là-bas et on est venu ici avec le matériel, c'était mieux, je trouve. Ouais. Parce que pour avoir un son plus net, pour avoir plus de choses et tout ça, il y a plus de matériel là-bas qui sont mieux qu'ici. Parce que moi, ça m'a apporté plein de choses. Hein. Beaucoup, beaucoup ça. Parce que j'ai déjà enregistré et tout, mais j'ai jamais enregistré dans ce cadre-là. Et quand tu as plusieurs personnes comme ça... L'important est que Baba garde le moral jusqu'au bout de son projet et que chacun reste concentré sur sa tâche. Mais parfois, les esprits s'échauffent, ce qui après tout est bien normal après tant de jours de labeur. Cependant, ramener le calme n'est pas des plus faciles, surtout quand chacun a un avis à donner, une suggestion à faire, un conseil à demander ou à proclamer. Il est parfois fatigant de réaliser ses rêves. Mais c'est au tour des Walla Wallas de chanter. Un groupe de griottes bien connu à Abobo. Plus habituées à animer les fêtes que d'enregistrer, elles assurent néanmoins le spectacle. Et voilà. C'est sur ce chant, en hommage à Mamadi Keïta, que s'achève cette histoire. Chacun a donné le meilleur de soi-même, et chacun est très fier d'avoir participé au projet de Baba. Bientôt, les enfants retourneront s'entasser en classe, ou traîner dans les rues poussiéreuses d'Abobo. Beaucoup rêvent d'Europe, de voyage, de réussite, et pourquoi pas de devenir eux aussi un djembéfola renommé.
Mais la route est longue, sinueuse et pleine d'obstacles. Nous sommes en août 2002, et dans quelques semaines éclatera une guerre civile que rien ne laisse présager dans cette cour. Baba se revendique comme un musicien libre de tout engagement politique. Pourtant, à la saison des pluies, un simple djembé fola réunit autour de lui, Guinéens, Maliens, Français et Ivoiriens, tous présents pour l'aider à réaliser son rêve. À chaque histoire, il faut une morale. Peut-être celle-ci pourrait-elle convenir à celle de Baba. Lui qui ne veut pas s'engager, sans doute le fait-il malgré lui, en tendant la main à chacun, en faisant vivre sa musique dans son quartier, dans son pays.